Salut les loulous, je fais vite fait une vidéo, j'avais prévu d'autres vidéos et puis cet après-midi j'ai pas pu monter au final, j'avais encore des petites choses à fignoler, donc je spoil tout de suite, on a mis 4 heures pour la réception d'Agenor pour le coup, donc de son modèle 3 grande autonomie. Donc au niveau de la livraison, je dirais en tout cas des délais, c'est pas mieux à Valentin. En tout cas on a appris quelque chose, donc sur l'entretien, quand les gens disent oui mais attention les entretiens, tous les ans il y a quoi? Au-delà de la permutation des pneus, et comme je vous ai déjà dit, il faut voir l'état des pneus, c'est pas forcément tous les 10 000. Vous appuyez donc ici pour les essuie-glaces. Et il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là et il se retire. Voilà, donc en fait il faut appuyer et le faire en même temps. Désolé pour le petit vent. Petit chat. Oui. Donc voilà pour les essuie-glaces. Je vous remets. On appuie comme ça. Et on les remet. Et en ce qui concerne les essuie-glaces, tous les ans avec le filtre à air qui se situe donc en dessous. Clairement j'appellerai le ranger pour le faire, c'est une cinquantaine d'euros, ça vaut pas le coup de s'embêter. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Voilà, donc pour l'entretien, il n'y a pas d'inquiétude. Tous les ans, les essuie-glaces, en plus il n'y en a que deux, il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière. Et puis le filtre à air, si vous ne savez pas le faire, vous allez dans votre application, vous allez dans entretien, et puis un ranger viendra directement chez vous. Et même pas besoin de vous déplacer. Voilà. À bientôt.